Merci d'être aussi nombreux à ce webinaire sur l'accidentologie industrielle et le retour d'expérience. Vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 250 à vous être inscrits à ce webinaire. Je suis Jean-Marie Lécluse, adjoint au chef de l'unité départementale de la DREAL de l'Artois, qui est en charge également et responsable du S3PI de l'Artois, qui est la structure organisatrice de ce webinaire. Peut-être toujours pareil en introduction. Là, j'essaie de contrôler la situation avec les transparents. Donc, peut-être en introduction, présenter rapidement ce qu'est le S3PI de l'Artois. Alors, en fait, c'est une structure collégiale qui est composée de quatre collèges, dont les services de l'État, les collectivités locales ou territoriales, des industriels et des associations de protection de l'environnement. Nous pouvons également accueillir donc en experts, des experts, des médias, etc. Et la motivation du S3PI, c'est de traiter des sujets autour des questions d'environnement et plus particulièrement d'environnement industriel. Notre ADN, c'est l'information, la concertation et l'accompagnement des territoires. Et nous intervenons sur quatre grands piliers d'action. La prévention des risques technologiques, et c'est d'ailleurs dans le cadre de ce pilier que s'inscrit ce webinaire. Nous intervenons sur la prévention des pollutions et des nuisances. Donc, il s'agit là de réduire la pression anthropique sur les milieux, donc favoriser l'émergence dans l'industrie sur les territoires, des technologies permettant de réduire l'impact des nuisances de l'homme sur l'environnement. Nous organisons des sessions de concertation dans le cadre de nouveaux projets pour essayer, dans un milieu et dans un climat apaisé, de faire converger des intérêts qui peuvent de temps en temps, on va dire, être divergents. Depuis maintenant quelques temps, nous travaillons également sur la transition écologique. Et nous œuvrons donc à la promotion de l'économie circulaire, de la mine urbaine et de la transition énergétique. Voilà pour ce qui est de la présentation du S3PI. Alors, la méthodologie d'intervention du S3PI de l'Artois, qui est d'ailleurs commun à tous les S3PI en France, donc c'est une intervention plutôt basée sur des réunions en physique, hein, dans nos locaux à Béthune. Comme tout un chacun, nous avons été confrontés à la crise du Covid, qui nous a conduits à revoir notre manière de communiquer avec l'ensemble de nos adhérents. Et nous avons donc innové sur différents outils pour communiquer. Donc, nous avons développé un S3PI Info, hein, qui est un relais d'information hebdomadaire sur les thématiques du S3PI. Donc, si vous ne recevez pas ce S3PI Info, qui est de l'information à caractère général sur l'environnement, je vous engage à vous inscrire sur notre site internet www.s3pi-artois.fr. Et la deuxième nouveauté que nous avons mise en place au sein du S3PI de l'Artois, c'est la mise en place de webinars sur différents sujets d'actualité liés à l'environnement. Le premier webinar du genre a été un webinar sur l'épandage qui a eu lieu en juin dernier. Donc, épandage et problématique Covid, en fait, hein, les épandages ont dû évoluer. Et je vous engage d'ailleurs à visionner sur notre chaîne YouTube le film de ce webinaire si vous venez à être intéressé par ces questions. Le deuxième webinaire que nous avons organisé, c'est également en lien avec les problématiques de sécheresse que connaît la région des Hauts-de-France depuis maintenant quelques années, et en lien avec les changements climatiques ou le dérèglement climatique qu'on devrait connaître dans les prochaines années. Et donc, il nous est paru intéressant de pouvoir faire la promotion de dispositifs d'efficience et d'efficacité hydrique en industrie avec des méthodes tout à fait novatrices et notamment des présentations de solutions de diagnostic et de surveillance des consommations d'eau dans l'industrie, totalement, on va dire, innovantes. Pour nous rassurer ou nous assurer que ces webinaires avaient un succès, étaient finalement un outil intéressant pour notre public, nous avons organisé des évaluations
Et écoutez, voilà, vous êtes dans un événement 4 étoiles, hein, presque 5, je veux dire 4, notre note est de 4,2 sur 5. Donc vous êtes donc dans un événement 4 étoiles. Donc visiblement, donc, nous n'avons pas eu de nom dans le cadre de renouvellement de ce type d'exercice. Et les différents participants, qui je vous rappelle étaient de l'ordre de 100 au webinaire sur l'épandage et de l'ordre de 150 au webinaire sur l'efficience hydrique, ont tous manifesté de l'intérêt pour ce type d'exercice, ce qui nous encourage à continuer, d'où ce webinaire d'aujourd'hui. S'agissant du S3PI Info, de même, donc on est sur, on va dire, du 4 étoiles, hein, donc avec notamment les thématiques du risque technologique, les thématiques de la santé environnement et la thématique de la transition écologique qui intéresse notre public, donc les sujets que nous apportons en termes d'actualité sont lus et font l'objet, on va dire, d'un examen de la part de ceux qui reçoivent ce S3PI Info. Alors, en termes toujours d'actualité, nous pensons continuer dans cette dynamique et nous pensons organiser un webinaire sur l'économie circulaire en novembre 2020 avec des acteurs, on va dire, d'importance au plan régional. Nous, comme chaque année, nous organiserons, je pense encore cette année, en partenariat avec Atmo Hauts-de-France, un comité territorial donc artois sur l'air. Et nous avons prévu d'organiser et de maintenir un événement avec France Chimie sur la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises que nous avons intitulé « Se mobiliser pour un avenir durable ». Donc, cet événement va avoir lieu normalement au premier semestre de cette année, mais pour des raisons fort évidentes de Covid, donc nous l'avons déplacé en mars 2021 en lien avec la semaine de l'industrie. Toujours en termes d'actualité, nous sommes heureux de vous présenter deux webinaires qui seront organisés par nos collègues du S3PI du Hainaut-Cambrésis. Donc, visiblement, cette formule fait des émules, si je puis dire. Le mouvement premier que nous avons réalisé dans le cadre de ces webinaires semble intéresser également d'autres SPI. Et donc, nous sommes très heureux de vous informer de la mise en place de deux webinaires sur l'efficience énergétique, l'un sur les collectivités territoriales et l'autre sur l'efficacité énergétique dans l'industrie, qui se dérouleront le 7 et 9 octobre et qui sont organisés par le S3PI Hainaut-Cambrésis-Douaisy. Nous mettrons les liens d'inscription sur notre site internet afin que vous puissiez être le plus nombreux possible à suivre ces deux webinaires. Alors, j'en viens à présent un peu plus directement donc au pourquoi de ce webinaire sur l'accidentologie et le retour d'expérience. Alors, on va dire que les risques industriels, l'amélioration de la culture de sûreté donc dans le domaine on va dire du territoire, c'est une mission historique de S3PI. Et cette mission historique s'est vue renforcée d'ailleurs au fil du temps avec les accidents industriels qui ont malheureusement, les catastrophes industrielles qui ont malheureusement émaillé, on va dire, les années 80 et 90. Hein. On se rappelle de l'accident AZF de septembre 2011 qui a créé, on va dire, un certain nombre de textes et de corollaires réglementaires importants qui ont touché l'industrie. Les trois pays ont été forcément très impliqués dans cette dynamique et donc ont contribué à l'information des populations dans les zones PPI qui ont été établies autour des sites Céveso seuil haut. Ils sont chevilles ouvrières dans l'organisation des comités de suivi de sites pour ces mêmes sites Céveso seuil haut et participent de manière générale à la culture de la transparence en matière de sécurité industrielle par le biais notamment de l'information sur les retours d'expérience en termes d'accidents et d'incidents industriels. Et donc, nous avons pensé, en tant que S3PI de l'Artois, qu'il était opportun de placer ce webinaire sur l'accident industriel en témoignage à l'accident notamment de Lubrizol qui s'est passé le 26 septembre dernier
et qui a quand même marqué l'opinion, et pas que l'opinion, puisque le ministère de l'Environnement a prévu de renforcer un certain nombre d'axes de sa politique en matière de prévention des risques industriels. Et aujourd'hui, donc, nous avons même une conférence de presse organisée par la ministre de la transition écologique à Rouen, qui évoque cette thématique-là, et qui va parler des différentes dispositions de renforcement de la politique en matière de prévention des risques qui est prévue par le gouvernement. Alors, donc, j'en viens présenter la répartition des participants à ce webinar. Donc, comme je l'ai dit, il y a eu plus de 200 inscrits à ce webinar. La population est essentiellement des industriels. Vous êtes à peu près 80% d'industriels. Alors, nous avons les gros noms de l'industrie des Hauts-de-France. Hein. On a des Aperam, des Croda, des Arcelor. Je ne peux pas tous les citer, mais les grands noms sont là. Ekiom, par exemple. Et à travers ça, je salue d'ailleurs Sylvain Caudron, qui est passé du côté obscur de la force, si je puis dire, qui était Andréal auparavant, qui s'est inscrit à ce webinar. Et donc, je salue à travers ce petit message. Nous sommes également pas mal de l'État, 10% du public et de l'État. Alors là, je salue un certain nombre de collègues, bien sûr, de la région Hauts-de-France, mais pas que, des collègues de PACA, des collègues d'Auvergne se sont inscrits, des collègues de Rhône-Alpes, des collègues de Pays de la Loire, etc. Donc, merci à eux et je les salue. Nous avons 5% d'associations, nous avons également pas mal de bureaux d'études, et je tiens à dire que ce webinar, et c'est ça la magie donc de l'Internet, c'est que ce webinar est même suivi, on va dire, au plan international, puisque nous avons un collègue, un industriel du Maroc qui s'est inscrit et qui nous suit actuellement. J'en viens maintenant à l'ordre du jour. Alors, c'est quand même un ordre du jour un peu important. On risque de dépasser peut-être l'heure qui est consacrée à ce webinar, et d'autant plus que j'ai deux surprises à vous annoncer. Alors, donc, déjà pour ce qui est prévu à l'ordre du jour, donc, nous allons écouter bien sagement le chef Jean-François Boussuat, qui est le chef du bureau d'analyse des risques et des pollutions industrielles, qui va nous présenter donc sa structure, qui est le BARPI, et la base ARIA, qui sert finalement à l'accidentologie industrielle. Donc, voilà, pour commencer. Nous en viendrons ensuite à Nicolas Santerre, qui est chef de l'unité des risques technologiques de la DREAL Hauts-de-France, qui est en quelque sorte le grand gourou, je puis dire, en matière de risques technologiques dans notre belle région. Et lui parlera d'un retour d'expérience d'un accident industriel, donc un exemple concret qui a fait l'objet d'une déclaration dans la base ARIA. Donc, il montrera la manière dont l'administration établit finalement ses rapports d'enquête et d'incrémentation de cette base ARIA. Et il le parlera également, il évoquera quelque chose qui intéresse également tous les sites Céveso et pas que, sur la problématique de révision et de réexamen des études de danger. Alors, j'en viens aux deux surprises quand même, parce que c'est les surprises, c'est quand même important. Donc, je vais quand même vous mettre un peu l'eau à la bouche. Donc, il y aura la première surprise qui est sûre, hein, celle-là, c'est notamment l'intervention de Delphine Favre, qui est d'Amaris, qui est une association des collectivités soumises à des risques technologiques, qui va organiser un événement important en mai 2021. Et je lui laisserai vous présenter cette organisation et ce grand événement sur les risques technologiques. Enfin, nous aurons peut-être en direct ou en marge de la conférence de presse de la ministre, donc un Jérôme Gollner, voilà, donc qui est le directeur du bureau d'enquête accident, qui nous dira quelques mots sur peut-être un retour à chaud de la conférence de presse de la ministre. Alors, si on voit qu'on l'a entre guillemets chopé dans le cadre finalement de ce webinaire, on lui donnera peut-être la parole et je couperai la parole aux différents intervenants. Mais voilà, on risque, voilà, on est en direct, hein, et priorité au direct, comme on dit à la télévision. Hein, on aura peut-être la chance d'avoir Jérôme Gollner, donc patron du bureau Enquête Accident, qui nous présentera les missions de ce bureau d'Enquête Accident, qui est une nouveauté post-Lubrizol. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. J'espère ne pas avoir été très long. À présent, venons-en aux choses sérieuses.
Et je passe la parole pour ce faire à Jean-François Bossuat, chef du bureau d'analyse des risques et des pollutions industrielles. Jean-François, à toi le micro. Ben, tout d'abord, merci au S3PI Artois de à ce webinaire sur les accidents industriels. Moi, je vais tenter de vous présenter dans toutes ces missions, donc structure des accidents industriels. Donc, ma présentation s'articulera un petit peu autour d'une introduction, les déclarations concernant les accidents, l'identification des causes profondes, la centralisation et la consolidation du retour d'expérience, l'exploitation et la diffusion du retour d'expérience, et enfin, une petite conclusion sur le retour d'expérience. Alors, en introduction, le retour d'expérience s'est avéré comme un processus indispensable et il apparaît plus qu'intéressant, il apparaît nécessaire de tirer les leçons du passé, notamment pour aborder tout projet à venir. Alors, le retour d'expérience s'inspire de concepts déjà développés, notamment dans l'industrie aéronautique et le nucléaire. C'est des pratiques qui sont fortement développées en la matière. En France, donc, il y a une prise de conscience d'organiser le retour d'expérience sur les accidents technologiques, afin de mieux prévenir, de mieux les prévenir. Alors, par retour d'expérience sur les accidents industriels, qu'entend-on exactement ? On entend le recueil, l'analyse et le partage des informations, mais également les enseignements des incidents, dans le but des améliorations qui peuvent être mises en place pour éviter que ces accidents ne se reproduisent, améliorations techniques ou organisationnelles. D'analyse des risques et des pollutions industrielles, donc est une structure qui est rattachée à la DGPR. Donc c'est un bureau constitué d'une dizaine de personnes. C'est aussi une base de données et un site internet. Enfin, c'est un mode de travail collaboratif avec l'ensemble des acteurs du risque, industriels, organisations professionnelles, l'inspection, les organismes de contrôle, les experts. Le petit organigramme pour rappeler le positionnement dans l'organigramme du ministère de la Transition écologique avec un directeur général qui est Cédric Bourrier, trois services à l'intérieur du service des risques technologiques et le bureau d'analyse des risques et des pollutions industrielles transversal avec l'ensemble des services de la DGPR. Le BARPI a été créé en 1991. Ceci résulte des réflexions et d'un rapport du général Féroge dans le contexte de la directive Seveso. Le BARPI, nous sommes implantés dans les locaux de l'Adréal à Lyon, en face de la gare de Bretot, pour ceux qui connaissent. Et bon, Lyon, pourquoi ? Berceau de la vallée de la chimie, siège de nombreuses entreprises chimiques, entre autres. Et puis, donc, peut-être l'histoire qui a contribué. En tout cas, le positionnement à Lyon est d'actualité dans le cadre d'une déconcentration des services centraux. Alors, les missions du BARPI. Donc, je les ai abordées brièvement. C'est la collecte des données concernant l'accidentologie. C'est la production et la diffusion d'analyses sur les accidents ou ensemble d'accidents. C'est aussi savoir lancer des alertes et détecter des tendances. C'est bien sûr promouvoir le retour d'expérience comme outil de prévention de réduction du risque industriel. Et c'est également savoir conserver la mémoire qui nous fait malheureusement souvent défaut. Alors, la production du retour d'expérience, des données d'entrée, la collecte des informations sur les accidents, l'analyse des informations, la diffusion du retour d'expérience et l'exploitation du retour d'expérience. On est centré, le BARPI, sur les trois éléments centraux, collecte, analyse, diffusion du retour d'expérience. Le retour d'expérience, il faut bien voir que c'est une donnée d'entrée des démarches de prévention du risque.
J'ai cité certains secteurs d'activité qui font référence et qui ont une antériorité à ce niveau très importante et très intéressante, d'ailleurs dont on s'est inspiré. Mais le retour d'expérience, c'est généralement une donnée d'entrée des études de Langer et de toute étude de projet industriel. Le retour d'expérience, à quoi sert-il? Il participe aux évolutions réglementaires pour que la réglementation colle avec la réalité, pour qu'on corrige les insuffisances qui peuvent apparaître, notamment suite à des accidents, ou pour qu'on l'assouplisse. Il ne faut pas que durcir, il faut savoir aussi assouplir. Le retour d'expérience, c'est aussi des données d'entrée des analyses de risque, je l'ai cité tout à l'heure. Mais c'est également aussi, enfin, un élément très opérationnel pour la mise en œuvre des procédés, la formation des opérateurs, la conception des équipes. Beaucoup de bureaux d'études font référence d'ailleurs à la base ARIA et la consult. Alors, la déclaration et l'analyse des accidents et incidents. En fait, à la base, tout vient d'obligations réglementaires concernant la déclaration des accidents. Obligations réglementaires qui visent un objectif à la fois de contrôle et à la fois un objectif de connaissance. Contrôle pour vérifier que l'analyse a bien été menée, que des actions correctives ont été mises en place. Objectif de connaissance, le retour d'expérience, c'est savoir partager et diffuser les enseignements d'un accident ou des accidents ou incidents industriels. Je vous ai donné quelques références réglementaires de déclaration des accidents pour les installations classées, article R512-69, pour les appareils à pression, canalisation, travaux miniers, ouvrages hydrauliques aussi, on a des références réglementaires en la matière. Les établissements Seveso, en la matière, ont des obligations renforcées, tout d'abord par la mise en place d'un système de gestion de la sécurité, mais aussi par un système de notification des accidents majeurs, des accidents évités de justesse, notamment quand il y a eu des défaillances. Et notamment, les enquêtes s'inspirent justement des expériences du passé pour mener les analyses. Et donc, il y a une certaine culture qui est présente normalement et notamment pour les établissements et les sites. Le REX est basé quand même sur deux principes. Un principe de transparence et de partage, et aussi un principe de survenue des incidents, qui est quelque chose normal dans la vie courante. Donc, voilà. Alors, juste quand même un petit point sur la photo. Ce n'est pas parce qu'on supprime les vols qu'il n'y aura pas forcément des accidents sur un autre aspect, notamment une installation classée. On peut subir des agressions externes, même des installations étant à l'arrêt. Alors, déclaration des accidents, après une phase d'analyse des accidents. Toujours le même article R512-69 du Code de l'environnement qui demande la production d'un rapport d'accident par l'exploitant ou un rapport d'incident si l'inspection des installations classées le demande. Là, je serai plus spécialisé sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Et ce rapport doit préciser circonstances, causes, effets sur les personnes, sur l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter le renouvellement et pour pallier les effets à moyen ou à long terme. Alors, dans un rapport d'accident ou d'incident, on trouve description de l'environnement, l'analyse, les suites données, éventuellement des pièces annexes, des arbres des causes, des communiqués de presse, tout élément intéressant qui peut contribuer à la bonne compréhension de l'événement que l'on analyse. Pour information, le BARPI fournit un modèle de rapport d'accident. Il est sur son site internet. Alors, ce rapport d'accident, je le précise, il peut servir lors de trois phases de l'accident. Pour la déclaration, en précisant les circonstances de l'accident. Dès lors qu'il y a des premiers éléments d'enquête qui permettent de voir ce qui s'est passé, expliquer les circonstances. Donc, c'est un pré-rapport d'accident. Et enfin, pour le rapport final, là où on aboutit aux causes profondes de l'accident. Donc, un rapport d'accident, ce n'est pas one shot, c'est itératif, ça peut utiliser la déclaration, les premières analyses et l'analyse détaillée de l'accident. Un peu d'histoire pour dire que jusque dans les années 80, la focalisation était sur les causes premières ou les causes apparentes des accidents. Mais la correction de ces causes apparentes ne permettait pas de régler et d'éviter que des événements ne se reproduisent.
Donc, il a fallu creuser plus loin et aller à la recherche des causes profondes avec des approches sociotechniques, des approches sur la relation entre les sous-organisations. Et là, on touche au mode organisationnel des entreprises. Pourquoi analyser en profondeur? Parce qu'effectivement, dans un accident, il y a tout ce que l'on voit qui apparaît directement visible. C'est la phase, l'émergée de l'accident, si je puis dire, défaillance d'un équipement. Ben oui. Et puis, on va le remplacer. Mais ce n'est pas pour autant que ça va suffire. Il faut aller plus loin. L'équipement a défailli, a failli. Mais pourquoi? Peut-être aussi parce qu'on n'avait pas des contrôles réguliers sur cet accident. Donc, il faut aller aux root causes, à la racine profonde des causes, comme on dit, pour trouver les vrais remèdes à l'accident. Donc, les causes directement visibles sont faciles à mettre en avant, facilement observables, détectables, mais elles ne mettent que superficiellement en cause les personnes et l'organisation du sinistre. Bien sûr, les causes directement visibles, on peut les supprimer facilement, mais ce n'est pas suffisant. L'analyse en profondeur, elle s'inspire d'une analyse détaillée, rigoureuse. Malheureusement, elles sont plus rarement mises en évidence, en tout cas pas systématiquement. Elles peuvent remettre en cause l'organisation du site, les décisions du management. Et généralement, la suppression des causes profondes qui nécessitent des réorganisations peut s'avérer plus complexe et plus coûteuse dans la mise en œuvre. Une fois qu'on a les données, eh bien, il faut les centraliser. C'est l'objet de la base ARIA que vous pouvez consulter sur notre site internet dont je vous donnerai les références. La base ARIA, c'est plus de 55 000 accidents enregistrés avec des résumés qui concernent à la fois les installations placées, diverses activités transposables aux installations placées, le domaine du transport de matières dangereuses par route ou par canalisation, entre autres, l'utilisation du gaz domestique, les accidents concernant les carrières, les mines, stockage souterrain, les ouvrages hydrauliques, barrières, lits, et puis les événements concernant la pollution des eaux. Chaque année, le BARPI enregistre entre 1200 et 1600 événements technologiques nouveaux. Nous n'avons pas la prétention au BARPI d'avoir l'exhaustivité des accidents. C'est pour ça que la base de données est une base de données descriptive plutôt que statistique. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'aventure pas à donner des statistiques, mais on ne peut donner que des tendances par rapport au regard qui peut être porté sur l'accidentologie. La collecte d'informations, elle est d'origine diverse et variée, avec une qualité différente, une typologie différente, informations qualitatives, spéculatives, provenant des médias, par exemple, informations qualitatives, provenant des installations classées, des inspecteurs des installations classées, une information rectificative, des industriels aussi, que nous sommes amenés à consulter. Les étapes de saisie dans la base ARIA. Alors, comment sélectionne-t-on les accidents? Quelles sont nos sources pour disposer des accidents? Ben, les services de secours, c'est là que ça commence, notamment, et les cellules de veille ministérielles, CMVOA, services de secours, SDIS, SDMI, l'inspection des installations classées qui est amenée à se déplacer sur site, à contrôler notamment les conditions d'exploitation du site, notamment à la suite d'accidents. La presse aussi qui amène des informations, des fois plus rapidement qu'on ne le souhaiterait. Les industriels également qui, eux, connaissent bien leur process, savent analyser leurs circonstances et peuvent nous informer sur les mesures prises pour éviter le renouvellement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est le croisement de toute cette diversité de sources d'informations. Et de là, on peut en tirer réellement des véritables enseignements. Donc, la base de données ARIA, c'est la saisie de l'ensemble des informations, les caractéristiques du site, le type d'événement, les conséquences, les mesures d'intervention, donc avec différents masques d'écran qui sont à notre disposition dans une interface dédiée et développé spécifiquement pour l'accidentologie technologique.
Le processus de saisie des accidents ou des incidents est un processus long qui demande 6 mois à peu près. Un événement fait l'objet d'une première saisie, il fait l'objet de relecture en interne, il fait l'objet de consultation des services de contrôle dans les DREAL, des organisations professionnelles qui permettent de rectifier l'information. Et enfin, ce n'est qu'à l'issue de ce processus que l'accident peut être consulté au sein de la base aérienne. L'objectif des consultations, tout simplement, c'est que plus on a d'informations, plus on est capable de les croiser et d'avoir une exactitude, d'en faire ressortir une exactitude des informations que l'on va consigner dans les résumés. Ça peut être aussi pour compléter les informations dont on dispose, préciser les circonstances, causes profondes, les mesures correctives, les enseignements. Et point important, la consultation des exploitants sur le résumé constitue une double opportunité pour améliorer la description des événements, mais aussi pour équilibrer l'information. Le but n'est pas que de donner des tableaux noirs sur ce qui s'est passé, c'est également de développer des aspects positifs, des mesures de maîtrise des risques qui ont bien fonctionné, des conditions d'intervention qui ont été réussies, bien sûr et malheureusement, moins bien également. Vous avez une liste des professionnels qui sont consultés, le nom des industries chimiques, France Chimie, le GESIP, le CFBP, l'Association française du froid, le SFEPA, la pyrotechnique, l'Association sur les gaz comprimés. Et 50% des accidents saisis font l'objet d'une consultation auprès des professionnels. Cette liste est bien évidemment évolutive. Alors, maintenant qu'on a les données, il faut savoir les exploiter. Pour qui, tout d'abord? Pour les inspecteurs qui nous ont alimentés en informations. Comme je le disais tout à l'heure, pour alimenter aussi les bureaux de la réglementation de la DGPR, ainsi que le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, qui est amené à et qui est consulté systématiquement avant la mise dans le circuit des signatures des nouveaux textes. Et chaque fois qu'un texte est présenté au CSPRT, le BARPI produit une synthèse de l'accidentologie sur le domaine sur lequel porte le texte qui est présenté. Bien sûr, le retour d'expérience est destiné aux acteurs du risque, les exploitants, les bureaux d'études. Il est aussi destiné au grand public. Le grand public, désormais, nous amène de l'information sur des événements qui étaient occultés de notre part ou de l'inspection. Également, des organismes non gouvernementaux sont des candidats à la lecture de la base. Alors, comment avoir accès à l'information? Le site Internet, je crois que c'est le nœud central de nos données. Vous avez les coordonnées du site Internet de la base ARIA. Nous réalisons aussi des interventions de DREAL. On participe à la formation des inspecteurs. Nous organisons des séminaires internationaux sur le retour d'expérience sur les accidents industriels, notamment le séminaire IMPEL, qui est un retour d'accident au niveau européen dans le cadre de la directive Seveso. L'organisation d'actions communes avec les organisations professionnelles, où nous participons, nous échangeons. Des échanges avec les bureaux de la réglementation de la DGPR, mais aussi des échanges avec les exploitants en appui à l'inspection des installations classées, notamment sur la partie analyse des risques. Nos productions, vous avez un exemple de résumé, c'est l'accident de Feuzin. Ils peuvent être accompagnés donc systématiquement du classement suivant l'échelle européenne des accidents européens sur les quantités de matière relâchées, les conséquences humaines, les conséquences environnementales, ainsi que les coûts économiques. Certains accidents, si le retour d'expérience est intéressant, permettent d'élaborer, de rédiger une fiche détaillée de l'accident. Enfin, on peut avoir différents documents intéressants pour la bonne compréhension du scénario de l'accident. Voici nos productions. Un inventaire annuel des incidents et accidents technologiques que nous publions chaque année, qui est disponible sur notre site Internet, qui est sorti avant l'été. Des recueils d'accidents que nous présentons en séminaire européen. Des analyses thématiques ou par secteur d'activité
que nous élaborons, des fiches détaillées, comme je l'ai cité pour l'accident de Feuzin, des flashs d'alerte, d'informations. Par exemple, informations quand on est à la veille d'un épisode caniculaire et donc sur les bonnes mesures à prendre au niveau des process industriels. Des articles dans la presse, notamment nous communiquons beaucoup à travers la revue Face au risque. Et enfin, une lettre d'information bimestrielle à laquelle chacun peut s'abandonner, qui donne de l'actualité sur les productions du BARPI. Toutes ces informations sont bien évidemment disponibles sur notre site internet et sont gratuites. Le BARPI produit également des films à la fois pédagogiques pour les industriels, pour les bureaux d'études, pour des formations. Nous avons un premier site « Alarme toxique en salle de contrôle », un autre sur le contact eau métal en fusion, un autre sur une émanation malodorante dans une usine chimique à Rouen, premier épisode. Il y en aura peut-être un deuxième, qui sait. Enfin, vous avez l'accès au site internet, qui est un site sécurisé, protocole HTTPS, qui permet des requêtes thématiques par des menus déroulants, thématiques, sectorielles, géographiques, avec les différentes composantes. Vous avez un recruteur par mot-clé. Et donc, avec ceci, vous pouvez faire des exploitations de la base arrière. Ce que l'on peut dire sur le retour d'expérience, c'est qu'il faut améliorer la circulation du retour d'expérience. Le retour d'expérience est l'élément déclencheur du processus d'amélioration continue de la sécurité industrielle. Nous, nous analysons les accidents, les incidents, les accidents majeurs aussi. Certains industriels vont, et donc pour améliorer encore le retour d'expérience, donc il faut savoir que ce système repose sur l'ensemble des acteurs du risque, industriels, bureaux d'études, experts, administration, qui contribuent de manière directe, indirecte, à alimenter ou direct, à alimenter la base ARIA. Il faut savoir qu'à tout moment, il est possible d'incrémenter la base ARIA si on a de nouvelles informations qui nous parviennent pour corriger, compléter, modifier les informations qui sont mises en ligne. Et donc, notre site, BARPI développement durable-durable.gouv.fr. Et je répète ce que je disais tout à l'heure, la qualité du retour d'expérience que l'on pourra tirer des accidents industriels dépendra de la qualité des informations que l'on nous restituera, ainsi que des analyses qui les accompagnent. Je vous remercie de votre attention. Merci bien, donc Jean-François, donc pour cet exposé que je qualifierais de très pédagogique, très riche, très précis, bon, avec quelques petits problèmes techniques, mais en définitive, ça s'est quand même globalement très très bien passé. Donc ça va nous éclairer, je pense, et ça éclaire tout à chacun sur la base ARIA et sur les missions du BARPI. Et j'engage d'ailleurs à présent tous les nouveaux passionnés du REX d'aller assidûment sur la base ARIA. Voilà, donc je vais à présent passer la parole à Nicolas Santerre, qui est le responsable de l'unité technologique de la DREAL Nord-Pas-de-Calais, donc de l'unité du risque technologique de la DREAL Nord-Pas-de-Calais, au service risque, en clair le grand gourou des sites Céveso. Il va nous présenter un cas concret d'accident nous exposer également, nous dire quelques mots sur ce que les inspecteurs réalisent quand ils font des enquêtes sur accident, et également nous exposer, nous dire quelques mots sur la notice de réexamen des études de danger. Voilà, je passe la parole à Nicolas qui va se faire un plaisir de démarrer l'affaire. Donc, Nicolas Fontaine, je suis le chef de l'unité risque accidentel technologique au sein de la DREAL Hauts-de-France. Donc, l'unité risque accidentel technologique, elle est basée au service risque, donc au siège régional de la DREAL des Hauts-de-France. Elle appuie les unités départementales, donc les inspecteurs de terrain qui sont au plus près du tissu industriel local. Elle appuie ces unités sur les thématiques, bien entendu, des risques accidentels technologiques. Alors, évidemment,
dans l'instruction des études de danger des sites Céveso, mais pas uniquement, puisqu'on peut retrouver du risque accidentel sur des installations non Céveso. Je vous citerai par exemple les silos de stockage de céréales, les dépôts d'engrais, les entrepôts, bien sûr, hein, activité très importante dans cette région des Hauts-de-France, les sites de stockage d'artifices de divertissement, enfin, de nombreuses installations à risque. Je vais organiser ma présentation en trois temps. Donc, dans un premier temps, ce que je voulais vous présenter, c'est un exemple d'accident industriel qui a eu lieu dans les Hauts-de-France en 2017 et des suites qui ont été données. Dans un deuxième temps, donc, je vous présenterai les rôles de l'inspection des installations classées en matière de traitement des accidents industriels. Et puis, je clôturerai cette présentation par des rappels pour certains ou une présentation pour d'autres de ce qu'est la notice de réexamen et de son utilisation possible en matière d'accidentologie. Alors, concernant l'exemple de l'accident industriel, cet exemple a déjà été présenté pour les inspecteurs qui assistent au webinaire et qui étaient présents au séminaire IMPEL du BARPI, au dernier séminaire. C'est une présentation qui a été faite par une inspectrice de mon équipe, hein, Mathilde Gabreau, qui suit ce site Céveso Seuil Haut sur lequel a eu lieu l'accident, donc en binôme avec l'inspecteur de l'UD. Et elle a assuré cette présentation donc, au dernier séminaire de l'inspection consacré donc, au retour d'expérience, IMPEL, qui associe également des inspecteurs étrangers. Donc, je lui laisse là, évidemment la paternité de cette présentation et j'ai à cœur de retracer enfin, ses propos le plus fidèlement possible. Donc, le site sur lequel a eu lieu cet accident est un site qui est Céveso Seuil Haut, qui se tient très près hein, de l'unité départementale de l'Artois et des locaux du S3 Pays de l'Artois. C'est un site Seuil Haut qui produit du PVC, donc polychlorure de vinyle, à partir de matières premières qu'on appelle le monomère MVC, un gaz hautement inflammable et qui présente une toxicité, en tout cas un cancérogène. Cet accident a mis en lieu un certain nombre d'installations. Donc, les installations concernées, vous le verrez dans la séquence accidentelle, en premier lieu, donc c'est un problème d'alimentation électrique qui allait au tout départ de cette succession d'événements. Donc, l'alimentation électrique du site, vous le verrez, elle est gérée par deux sources indépendantes, deux postes de transformation, un principal de 45 kV, un secours à 20 kV, et des groupes électrogènes qui secourent les principales installations de sécurité. L'accident en tant que tel a eu lieu au sein de l'atelier de polymérisation qui regroupe 22 réacteurs qui sont répartis en 4 lignes de production, 4 lignes indépendantes, chacune étant reliée à un seul blowdown tank. Ça a son importance, on le comprendra après. Les réacteurs ont un certain nombre d'équipements, parmi lesquels bien sûr un agitateur et un certain nombre de dispositifs de sécurité que je détaille juste après, du moins en ce qui concerne les sécurités qui sont rentrées en jeu dans cette succession accidentelle que je vous décris. Donc, chaque réacteur dispose de trois niveaux de sécurité de pression pour pallier au risque d'emballement réactionnel. La première sécurité fonctionne sur pression supérieure à 15 bars et déclenche l'introduction d'un inhibiteur de réaction, un tueur de polymérisation pour stopper net la réaction de polymérisation, réaction exothermique. Donc, cette introduction peut avoir lieu sur pression haute, mais également sur perte d'agitation, puisqu'il est nécessaire pour que cet inhibiteur fasse son office que le vortex d'agitation soit encore présent dans le réacteur. Donc, sur perte d'agitation, on a également injection de l'inhibiteur, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans la séquence accidentelle. La deuxième sécurité est une sécurité qui, sur une pression légèrement supérieure, décharge le contenu des réacteurs vers un réservoir intermédiaire appelé blowdown tank. Et en sécurité de pression ultime, pour une pression supérieure à 20 bars, pardon, ouverture d'une soupape vers une ligne de décharge canalisée vers ce que l'exploitant appelle une torche froide. En ce qui concerne le déroulement de l'accident, donc, en juin 2017, j'ai rappelé le numéro, vous pouvez le consulter, là, le 49735, c'est le numéro d'enregistrement dans la base ARIA, hein, qui a cité M. Bossuat à l'instant. Donc, accident qui fait l'objet d'une fiche détaillée. Donc, si vous voulez davantage d'informations que ce que j'ai le temps de vous dire aujourd'hui, je vous engage à aller consulter ARIA et cette fiche d'accident.
Donc, on est en juin 2007, l'après-midi, et à 14h50, sur le site, subitement, déclenchement électrique et perte totale d'électricité liée à la perte d'alimentation sur le transformateur 45 kV. Normalement, donc, comme je vous l'ai dit dans le descriptif d'alimentation électrique, un basculement qui doit avoir lieu automatiquement sur un secours 20 kV, mais défaillance, ce basculement ne se passe pas. Et donc, plus d'alimentation électrique. Heureusement, groupe de secours diesel qui démarre et la mise en sécurité automatique des installations est déclenchée. Pour nos réacteurs, ça veut dire introduction automatique des tuteurs de réaction, puisque plus d'alimentation électrique, donc perte d'agitation, un signal pour déclencher l'introduction du tueur dans tous les réacteurs sauf un, le réacteur 7. La réaction de polymérisation est exothermique, par conséquent la température monte, la pression également, et sur pression dépassant les 16 bars, le dispositif de décharge vers le blowdown tank doit fonctionner, mais il ne fonctionne pas. Le réacteur 7 continue à monter en pression jusqu'à la pression de 20 bars, où cette fois les soupapes font leur office et un rejet de MVC est canalisé, une décharge vers la torche froide pour éviter l'explosion du réacteur. Donc, pendant cette succession d'événements, les opérateurs qui ont constaté donc, cette montée en température, cette montée en pression ont réagi. Vers 15h30, la réalimentation électrique par le secours 20 kV a été possible. Ça a permis de redémarrer l'agitation du réacteur, le refroidissement de celui-ci. Et vers 15h50, la situation considérée comme maîtrisée puisqu'il y a arrêt du rejet de MVC à la torche. Donc, une succession d'événements qui prend environ une heure en tout. Les conséquences de cette succession accidentelle, donc elles sont principalement de nature environnementale, avec 90 kg de monochlorure de vinyle, donc comme je vous le disais, un gaz cancérogène, rejeté à 40 mètres de haut, donc sur cette cheminée appelée torche froide, et puis un dépassement de la valeur limite en DCO au niveau des rejets à queue du site, du fait de l'élimination du contenu des 22 réacteurs au niveau des installations de traitement de l'eau qui ont eu du mal à absorber toute la DCO. Des conséquences également financières importantes pour l'établissement. Alors, une fois qu'on a décrit la succession temporelle des événements, on en cherche les causes. Et cette analyse des causes, comme je vous l'ai dit, elle trouve son origine, en tout cas pour une certaine partie, dans la perte d'alimentation électrique. Donc, en juin 2017, cet après-midi-là, il fait très chaud, de fortes chaleurs, et un opérateur décide de brancher un ventilateur d'appoint pour brasser l'air au niveau des installations de transformation 5 kV du site. Ce branchement se fait sur une prise qui est défectueuse. Le tableau électrique auquel la prise est reliée disjoncte. Et le fait que le tableau disjoncte provoque en cascade, hein, un effet domino collatéral, le fait que le transformateur 45 kV perd son refroidissement, son utilité de refroidissement circulation d'huile. La température monte donc progressivement sur ce transformateur de 45 kV. Une alarme de montée en température est signalée en salle de commande, mais elle n'est pas détectée. Et donc, le transformateur continue de monter en température jusqu'à son déclenchement. Normalement, en cas de déclenchement, l'alimentation de secours 20 kV doit démarrer, mais du fait d'un problème de programmation, alors que cette alimentation, le basculement sur le 20 kV était testé annuellement, ce basculement, dans les conditions de perte d'utilité, n'était lui pas testé, et cette configuration était mal programmée au niveau de l'automate, et le basculement n'était pas permis. Par conséquent, aucune alimentation sur le site, aucune alimentation électrique, d'où la perte d'agitation des réacteurs. Je vous l'ai dit, un certain nombre de sécurités sur les réacteurs après cette perte d'agitation, et notamment en cas de perte d'agitation, donc l'injection d'un tueur de réaction qui n'a pas fonctionné. Je n'ai pas le temps de vous détailler dans le détail donc les causes qui, de toute façon, aujourd'hui ne sont pas maîtrisées avec certitude par l'exploitant concernant la défaillance de cette mesure de maîtrise.
mais un certain nombre de pistes, hein, trois exactement, ont été identifiées. L'exploitant n'était pas certain de la cause du dysfonctionnement. En fait, des améliorations ont été proposées et mises en place sur chacune des causes probables de dysfonctionnement de ce système d'injection, notamment au niveau du remplissage des ballons tueurs, du fonctionnement des vannes, de la pressurisation de l'azote. La deuxième barrière qui n'a pas fonctionné, c'est la décharge vers le bleu dans le tank. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas autant de bleu dans le tank qu'il y a de réacteurs de polymérisation. Il y a un bleu dans le tank par ligne. Donc, vous le voyez sur ce schéma qu'on retrouve d'ailleurs sur la fiche détaillée du BARPI. 4 lignes, L1 à L4, et 6 à 5 réacteurs regroupés par ligne. Ce qui fait, étant donné que le bleu dans le tank n'est pas dimensionné pour accueillir de manière simultanée le contenu de 5 à 6 réacteurs, l'impossibilité de mettre en place des vannes à sécurité positive pour autoriser la décharge des réacteurs vers le bleu dans le tank. En effet, en cas de perte d'électricité et d'alimentation, si tel était le cas, l'ensemble de 5 ou 6 réacteurs partirait simultanément dans le bleu dans le tank et créerait un accident. Les vannes sont donc pilotées pour orienter, sur décision de l'opérateur, le contenu de tel ou tel réacteur vers le bleu dans le tank. Un problème sur l'une des deux vannes de décharge de la ligne entre le réacteur 7 et le bleu dans le tank associé a empêché la décharge. Un problème lié à la pressurisation du circuit azote. Un certain nombre d'actions correctives ont donc été identifiées et ont été menées, que j'ai regroupé en plusieurs familles. Donc les défaillances matérielles, je vous ai cité la prise défectueuse au niveau du transformateur 5 kV, le système d'inhibition de réaction ballon tueur qui n'a pas fonctionné, la valve de décharge au niveau du bleu dans le tank qui ne fonctionnait pas. Donc un certain nombre d'améliorations qui ont été identifiées, qui ont été apportées sur le matériel existant tel qu'il était prévu au départ. Mais l'analyse des causes a permis de mettre en évidence une mauvaise conception des installations et un certain nombre de points d'amélioration ont ainsi été détectés et mis en œuvre, notamment l'ajout d'un secours électrique au niveau de l'agitation des réacteurs. Je ne passe pas en revue l'ensemble des points qui sont énumérés sur le tableau, mais encore une fois, je vous engage à aller vers la fiche détaillée du BARPI. Je vous l'ai dit, une information en salle de contrôle qui n'a pas été prise en compte, une alarme non prise en compte car elle est arrivée au moment d'un changement de poste entre opérateurs. Donc, l'exploitant a engagé une modification de la supervision globale des réacteurs en salle de contrôle, de la supervision des alimentations électriques, une priorisation des gestions des alarmes, et puis un certain nombre de modifications de procédures pour corriger ces erreurs organisationnelles. Un certain nombre d'autres actions ont été menées. Donc, vous l'avez compris, il s'agit d'un site Seveso seuil haut. Donc, l'action de l'inspection a été menée de manière… les investigations ont été poussées. On a cherché à continuer. On est dans ce processus d'amélioration continue, mais particulièrement poussée s'agissant d'un CV au seuil haut, puisque notre action se doit d'être proportionnée aux enjeux. Donc, un certain nombre de plans d'action ont été demandés à l'exploitant, notamment concernant la vulnérabilité électrique des installations, la pertinence de l'étude de danger existante pour le site, et des réflexions à mener sur les pertes d'utilité, les procédures d'urgence, notamment le plan d'organisation interne, hein, qui a ce jour-là bien fonctionné, mais qui pourrait s'avérer perfectible, notamment si la même séquence d'événements s'était passée hors ouvrable. Donc voilà pour l'exemple d'accident industriel. Je vais maintenant attaquer donc le deuxième point de ma présentation concernant spécifiquement l'action de l'inspection des installations classées face à un accident industriel. Comme je vous le disais, cette action se doit d'être proportionnée aux enjeux. Le rôle de l'inspection, il est organisé pour apporter un appui technique au préfet. Donc, il s'agit d'anticiper les évolutions possibles, les conséquences, pour participer à l'élaboration des mesures à prendre. Le deuxième rôle de l'inspection, c'est d'évaluer l'opportunité de faire réaliser des prélèvements conservatoires. Il s'agit à ce niveau-là de préparer la démarche post-accidentelle.
L'inspection, bien sûr, comme c'est son nom l'indique, hein, elle a pour rôle de contrôler l'application de la réglementation, hein, d'inspecter, et elle pourra constater éventuellement des infractions et auquel cas elle pourra informer le préfet, voire le procureur. Par conséquent, l'inspection pourra proposer des prescriptions, mais également, si c'est nécessaire, des sanctions administratives ou pénales. En dernier lieu, le rôle de l'inspection, c'est de constater les dégâts, les tracés en vue d'actions ultérieures. Alors, toutes ces actions de l'inspection, on peut les regrouper en trois temps différents. La phase aiguë, accidentelle, dans le cadre d'une intervention que je qualifierais à chaud. Alors là, bien sûr, quand l'accident vient d'arriver, il y a une phase d'information. Alors, l'information immédiate, j'insiste, elle est de la responsabilité de l'exploitant, même si, comme le disait M. Bossuet à l'instant, les médias notamment procèdent à la remontée d'informations des fois plus vite qu'on le souhaiterait. En tout cas, en tout état de cause, c'est bien à l'exploitant d'informer notamment les services préfectoraux pour la gestion de crise. Mais par la suite, l'information doit être relayée par l'inspection vers le préfet et vers le ministère. Deuxième rôle de l'inspection dans cette phase aiguë de gestion de la crise, c'est précisément d'être là pour conseiller, d'appuyer, d'apporter un éclairage sur les événements en cours pour aider au choix dans la mise en place des secours, notamment. Pour cela, l'inspection cherchera à identifier les enjeux et constater les dommages environnementaux, les conséquences sanitaires. Ça permet de proposer des mesures d'urgence. Comme je vous le disais à l'instant, le cas échéant, constater des non-conformités. Et évidemment, l'inspection demandera un rapport d'accident à l'exploitant. Et dans la mesure du possible, dès l'intervention UHO, l'inspection cherchera à anticiper le post-accidentel, comme je vous le disais, en réalisant un certain nombre de constatations, voire de prélèvements. En faisant réaliser, pardon, des prélèvements. Le deuxième temps de cette intervention, c'est ce que je qualifierais d'intervention à tiède. Je viens de vous le dire, dans l'intervention à chaud, l'inspection peut proposer des prescriptions, notamment dans le cadre d'arrêtés préfectoraux de mesures d'urgence. Dans cette intervention à tiède, l'inspection ira contrôler sur site les conditions de fonctionnement du site et notamment le respect, donc, de, le cas échéant, de ces arrêtés de mesures d'urgence. À ce stade, l'inspection pourra encore chercher, identifier les suites à donner, administratives ou pénales, si elles n'ont pas été déjà déterminées. Elle peut, à ce moment-là, choisir, ou en tout cas proposer au préfet de subordonner la reprise de l'activité à une nouvelle autorisation. Et en tout état de cause, l'inspection doit inciter les exploitants, et pas seulement les sites Seveso, à remettre une notice de réexamen. Mais j'y reviens dans le troisième point de ma présentation. Le rôle de l'inspection, c'est bien sûr d'investiguer les causes de l'accident. Je pense que vous l'avez compris avec le premier temps de ma présentation. De vérifier la mise en œuvre du suivi environnemental. Et à ce stade, l'inspection peut solliciter un appui des spécialistes de l'équipe de M. Bossuet au BARPI. Le troisième temps dans la gestion accidentelle, c'est l'intervention à froid. Vous l'avez compris, pour que le BARPI fonctionne et que le retour d'expérience soit utile et profitable, il faut identifier les causes profondes, donc il faut les rechercher. Ça passe au niveau de l'inspection par une analyse du rapport de l'exploitant. On cherchera notamment des récurrences d'événements, on vérifiera les aspects organisationnels, la formation, un certain nombre de procédures, de consignes. Et puis, l'inspection est là aussi pour proposer des évolutions réglementaires. Alors, bien sûr, au niveau du site, siège de l'accident, c'est évident, mais éventuellement au niveau ministériel, dans des arrêtés ministériels de prescription générale, notamment, par exemple, quand un site soumis à déclaration provoque des victimes létales, j'ai envie de dire, à l'extérieur du site. Ça engage une réflexion sur la réglementation propre au site à déclaration. Donc voilà pour l'action de l'inspection. Le troisième temps de ma présentation, donc
Le S3PI de l'Artois m'a demandé de faire un focus sur ce qu'on appelle notice de réexamen. Effectivement, pour les sites Céveso seuil haut, c'est peut-être quelque chose qui maintenant est bien rentré dans les mœurs. Tout le monde sait que, enfin, en tout cas, du moins les sites Céveso seuil haut savent bien que leur étude de danger doit être réexaminée périodiquement en application de l'article L515-39 du Code de l'environnement. Et depuis 2017, un avis des GPR vient éclairer en fait ce réexamen quinquennal. Réexamen quinquennal qui a donc pour objet de s'assurer que le site reste compatible avec son environnement et éventuellement d'identifier, puisqu'on est bien dans une logique d'amélioration continue, les mesures de maîtrise des risques qui pourraient être proposées pour améliorer la gestion de la sécurité du site. Donc la notice de réexamen, elle s'inscrit dans le cadre de ce réexamen. Donc la notice de réexamen va permettre de matérialiser cette démarche de réexamen menée par l'exploitant. Elle va permettre de statuer si l'étude de danger du site doit être mise à jour ou révisée complètement. Et puis, donc, suite à un accident, cette notice de réexamen est également un outil qu'il peut être pertinent d'employer pour le rapport d'accident. Donc, le contenu de la notice est décrit dans cet avis des GPR, publié au bulletin officiel. Donc, je ne reprends pas exhaustivement, je n'ai pas le temps, les 11 items. La philosophie globale de ces questions, c'est de se poser la question de l'évolution de la technologie, du retour d'expérience par rapport à l'extérieur du site, à l'intérieur du site, au fonctionnement des mesures de sécurité, des mesures de maîtrise des risques en place, la gestion des plans d'urgence, enfin un certain nombre de questions qui doivent permettre à l'exploitant de répondre à trois questions. Les mesures de maîtrise du risque du site sont-elles toujours adaptées? Est-ce que les conclusions de l'étude de danger qui est en vigueur restent valables? Sinon, mon étude de danger doit être mise à jour ou révisée complètement. Et bien sûr, est-ce que l'établissement Céveso reste bien compatible avec son environnement au travers de la démarche qu'on appelle MMR. Alors, je vous l'ai dit, la notice de réexamen, elle peut également trouver une application comme rapport d'analyse. Donc, dans ce cas-là, l'usage de la notice peut être étendu au site soumis à autorisation. Alors, je en parle très rapidement dans le cadre d'une modification notable. Tout site soumis à simple autorisation et pas uniquement les seuils hauts peut utiliser cette notice pour porter à connaissance du préfet une modification notable et justifier donc le fait qu'on est sur une modification acceptable qui ne serait pas substantielle. Et également, donc, c'est ce qui nous amène aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire sur l'accidentologie, après un incident comme rapport d'analyse, donc à transmettre à l'inspection en application du R512-69 que M. Bossuard rappelait à l'instant dans sa présentation. Voilà, j'en ai terminé. Je repasse la parole à Jean-Marie Lécluse et je répondrai éventuellement à vos questions en fin de webinaire. Merci Nicolas, très très intéressant donc cet exposé donc qui montre un peu de manière concrète le déroulement d'un accident industriel qui a fait l'objet d'une information détaillée à travers donc la base ARIA, ainsi que le rôle de l'inspection dans le cadre de cet accident. Et enfin, donc, effectivement, la manière dont on peut intégrer dans les notices de réexamen l'évolution des connaissances, et notamment en matière d'accidentologie et la révision rapide d'un certain nombre d'études de danger. Voilà, donc j'ouvre la parole, si je puis dire, à tout un chacun pour qu'il puisse se manifester pour le jeu des questions-réponses avant qu'on en arrive à la première surprise, en espérant que ma deuxième surprise puisse effectivement voir le jour. Donc j'ouvre la parole aux différentes questions qui pourraient être posées à l'issue de ces deux exposés, donc l'un de Jean-François Bossuat et l'autre de Nicolas Santerre. Alors, peut-être pour lancer les choses, moi j'ai ma petite question déjà pour commencer, que je pose à Jean-François Bossuat, qui est la suivante. Donc,
ARIA semble bon et facile et facilement incrémentable par les accidents, on va dire, se passant sur le territoire national, hein, puisque effectivement la ressource elle peut être obtenue à travers, on va dire, les enquêtes donc des DREAL, etc. Qu'en est-il pour les accidents internationaux? Est-ce qu'il y a, on va dire, est-ce que le BARPI s'intéresse aux accidents internationaux et arrive en quelque sorte à alimenter, à apporter la connaissance donc à travers les consultations de la base ARIA? Vas-y Jean-François, c'est une petite question pour toi. Oui, alors effectivement, nous nous intéressons aux accidents étrangers aussi également. Simplement, l'information est plus délicate à obtenir. Elle est plus délicate à obtenir parce que bon, on n'a pas les services de contrôle qui nous envoient des déclarations d'accident. Alors, comment procède-t-on? Déjà, la voie principale, c'est la voie des médias et de la presse, hein, bien évidemment. C'est aussi la voie des experts avec lesquels nous travaillons et qui sont une bonne source d'information. Nous avons nos homologues des pays étrangers avec lesquels, pour certains, malheureusement, pas pour tous, ça serait trop beau, on a des contacts et on travaille en collaboration. Alors ça, c'est plus prononcé pour les pays européens. On a des séminaires IMPEL européens qui permettent d'échanger, de se côtoyer, donc de se passer de l'information. Ça devient plus délicat dès qu'on va au-delà. Alors, par exemple, sur les accidents aux États-Unis, on a des contacts et on arrive à avoir de très bons renseignements. On a des contacts avec le bureau qui est le CSB, Chemical Safety Board, avec lequel on entretient des relations et on a notamment une communication de leurs différentes analyses qu'on reprend en tout cas à travers la base ARIA. Mais effectivement, on n'aura pas une information aussi exhaustive qu'on peut l'avoir pour les accidents français, bien évidemment. Merci Jean-François donc pour ce complément d'information. Bon, je vois que apparemment donc je rappelle comment on se manifeste en termes de questions. Hein. On va dans participants et normalement donc vous manifestez donc en levant la main donc ou éventuellement à travers le chat vous dites je veux parler et je veux poser une question et on vous donnera la parole. Alors maintenant, peut-être donc pour vous donner, peut-être pour donner un complément d'information et un commentaire quand même sur l'accident qui a été présenté par Nicolas et qui montre tout l'intérêt pour les industriels d'aller dans la base ARIA et de regarder un peu, on va dire, de faire un retour d'expérience, de faire des analyses. Alors moi, je tiens à dire que cet accident, tel que je l'ai compris, vous voyez, c'est une petite prise dans un groupe transfo qui a dysfonctionné et qui a conduit à avoir, on va dire, en cascade, en quelque sorte, une défaillance d'un certain nombre de sécurités qui aurait pu avoir des conséquences graves, très graves, parce qu'on a frôlé la catastrophe. Hein, on est arrivé à la dernière barrière de sécurité qui était la soupape, qui s'est ouverte heureusement. Sinon, effectivement, les conséquences auraient été dramatiques. Et aussi, on peut dire que derrière, on se retrouve avec un certain nombre de conséquences, on va dire, en termes de sécurisation des installations qui sont très importantes. On peut aussi dire que, dans les sites industriels importants, la sécurisation, la vulnérabilité des installations connexes, hein, les installations électriques, les installations les installations d'air comprimé, etc., seront des installations essentielles. Et là, important pour les industriels de pouvoir effectivement veiller à leur parfait fonctionnement. Voilà comme commentaire par rapport à ça. Alors, j'ai des nouvelles de la conférence de presse de la ministre Barbara Pompili. Donc, Jérôme Gollner nous dit qu'il est toujours derrière elle à ce niveau-là. Il va peut-être pouvoir s'échapper. Vu qu'il n'y a pas de questions particulières des quelques 145 participants qui sont encore présents derrière leur écran, je propose à Delphine Favre de l'Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs, de nous dire quelques mots sur son organisation, sur ses missions et également de nous présenter ce pourquoi elle travaille d'arrache-pied depuis ces quelques derniers mois avec un grand nombre d'acteurs des risques technologiques sur les territoires. Delphine, tu peux partager ton exposé et nous raconter ce que tu prépares. Merci. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Oui? C'est bon, c'est d'accord. Bon.
C'est bon, d'accord. Bon, alors, c'est moi la première surprise. J'espère que vous n'allez pas être trop déçus. Donc, je m'appelle Delphine Favre. Je travaille pour l'association Amaris. Donc, c'est l'Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs. Donc, globalement, c'est une association de communes et intercommunalités qui accueille sur leur territoire des sites Céveso seuil haut. Depuis une dizaine d'années, on s'est principalement focalisé sur les plans de prévention des risques technologiques pour accompagner leur élaboration et leur mise en œuvre par les collectivités. On travaille en lien quotidien et direct avec le ministère de la Transition écologique et les bureaux de la DGPR qui nous ont confié il y a maintenant un an l'organisation des assises des risques technologiques. Donc, pour ceux qui avaient déjà participé à cet événement, c'est un événement qui avait lieu tous les 2 ans et qui était organisé à Douai. Donc, on prend donc la relève de l'association qui les organisait auparavant et on a proposé de renouveler un petit peu l'exercice. Donc, cet événement s'appelle désormais les rendez-vous majeurs. Ils n'ont plus lieu à Douai, mais à Paris. Et donc, la prochaine édition aura lieu le 20 mai 2021. Initialement, on les avait programmés pour le mois de décembre, mais du fait du contexte, on a été obligé de les repousser. Donc, un événement à Paris le 20 mai 2021, les rendez-vous majeurs. Et donc, c'est un événement organisé par Amaris pour le compte du ministère de la Transition écologique avec un appui précieux et nécessaire des experts de l'INERIS. Donc, globalement, c'est un événement qui est porté par trois organisations. L'objectif, c'est, comme l'étaient les assises, hein, d'organiser un débat sur tout ce qui concerne les enjeux liés à la présence de à risque. Mais on va élargir un petit peu le champ des thématiques traitées en mettant un pied dans tout ce qui concerne également la gestion de crise, hein, qui faisait des apparitions plus discrètes lors des précédentes éditions. Merci pour le PowerPoint. Donc, si on peut mettre la slide numéro 2. Où je ne sais pas si j'ai la main. Non, oui, pardon. Donc, gestion de crise, mais aussi tout ce qui concerne les risques sanitaires. Donc, on s'adresse aux collectivités, aux services de l'État, aux industriels, aux associatifs, aux passionnés du REX, comme vous qui participez à ce webinaire, aux bureaux d'études, étudiants, aux salariés des sites Céveso. On reste quand même dans un cadre qui s'inscrit dans la continuité avec les précédentes assises des risques technologiques. Donc, je vais passer à la deuxième slide. Donc, l'idée en renouvelant cet exercice pour peut-être moderniser un peu les échanges, c'est de proposer aux participants vraiment un programme à la carte. Certains participants viennent avant tout chercher des informations d'actualité. D'autres sont plus dans des postures de débat ou d'aller glaner des retours d'expérience. Donc, on est en train de concocter un programme qui va permettre vraiment à chaque participant de se faire une journée à la carte. Ce programme est conçu grâce à l'appui de très nombreux partenaires, dont le SPI Artois. Et on remercie par avance pour leur appui tous les SPI qui participent bien. On est aussi en lien avec le ministère de l'Intérieur pour les questions de gestion de crise, le NTPE, l'ICSI, enfin, je vais en oublier, donc je vais arrêter de les citer. Et on va proposer un programme qui s'articule essentiellement autour de 6 thématiques fortes. Les questions d'information des populations qui étaient assez peu traitées avant, qui feront l'objet d'un débat. Qui risque de s'appeler « Est-ce que les populations sont la grande oubliée des politiques de prévention ?» Un débat, une conférence, un atelier, des formats aussi sur la gestion de crise avec les questions de stratégie de communication. On voit bien que ce sont des questions cruciales d'articulation des plans d'urgence ou alors
lors de la présentation des nouveaux outils d'alerte qui ont été annoncés à 13h par le ministre de l'Intérieur. Des sujets plus techniques sur les questions de maîtrise des risques, notamment en se posant la question de l'efficacité des politiques de prévention, des outils de maîtrise des risques. Un angle plus en lien avec les questions d'aménagement. On ne refera certainement pas le débat sur les PPRT, mais le sujet ne sera pas absent. Il y aura quelques petites sessions, c'est un thème plus discret quand même, sur les nouvelles implantations. Est-il encore aujourd'hui possible d'implanter des sites Seveso sur les territoires et comment faire? Et une dernière thématique sur le post-accident dont on a vu à quel point cette thématique avait pesé lors de l'accident qualifié de hors norme par la ministre, l'accident de Lubrizol. Donc voilà globalement ce autour de quoi le programme va tourner, et tout ça organisé en des formats de discussion différents, ateliers, conférences, débats et présentations. Donc de toute façon, toutes les informations, vous pourrez les retrouver sur un site internet, lesrendezvousmajeurs.com. On est également, on commence à être timidement, mais présent sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et LinkedIn. Le pré-programme sera mis en ligne au mois de novembre et ce sera la date à laquelle les inscriptions seront ouvertes également. Et on espère qu'il y ait un maximum de participation. Voilà, j'ai terminé. Merci Delphine, c'était très clair, très précis. J'espère que vous serez nombreux à venir échanger dans le cadre de ces rendez-vous majeurs. Voilà, malheureusement, Jérôme Gollner n'a pas pu nous rejoindre. C'est dommage. J'aurais bien aimé avoir un petit clin d'œil, on va dire, de Rouen, quasiment en parallèle de la conférence de presse de Barbara Pompili. Bon, ce n'est pas possible. Donc, il me reste maintenant, on va dire, à clore, puisque les questions n'ont pas été nombreuses. On a dû être très, très, très clair. C'est ça que ça doit vouloir dire. Les questions n'ont pas été nombreuses. Bon, ça veut dire que c'est de la formation descendante. C'est des choses qui arrivent. Donc, il me reste, on va dire, Jean-François Bossuat, Nicolas Santerre, Delphine Favre, de vous remercier pour vos interventions, qui vous font méritant des mérites que mérite votre professionnalisme. Cette allitération en mérite est un petit clin d'œil à ma lecture du moment, qui est Don Quichotte. Je trouvais qu'effectivement, des phrases comme celle-là méritaient la peine d'être signalées. Donc, merci aussi à tous les participants de vous être arrêtés en ayant consacré un peu de temps pour évoquer l'accidentologie et le retour d'expérience à l'occasion de ce premier anniversaire de la catastrophe Lubrizol. En ce qui concerne l'équipe du S3PI, nous avons été très heureux. C'est le troisième webinaire que nous organisons. Nous sommes très heureux de vous... Ah, écoutez, on m'apprend en direct des studios que Jérôme Gollner vient d'arriver. Donc, je vais arrêter la conclusion à l'instant et donner la parole à Jérôme Gollner, s'il peut la prendre. Jérôme, c'est à vous si vous nous entendez. Merci d'ouvrir peut-être votre micro, d'ouvrir votre caméra et de nous venir un peu nous rejoindre. Nous sommes encore de l'ordre de 120 participants donc à ce webinar. Apparemment, Jérôme a des soucis de connexion ou n'a pas forcément... je ne sais pas si vous m'entendez. Et on est en train de voir par téléphone et par messagerie pour lui dire qu'on a bien compris qu'il était là. Maintenant, il lui reste à activer son micro, à activer sa vidéo et pour qu'il puisse nous dire en direct... de la conférence de presse de la ministre, quelques mots sur les mesures post-Lubrizol et sur l'émission de son bureau enquête accident. Jérôme, je suis désespéré. Je veux peut-être une nouvelle phrase peut-être de Don Quichotte, mais là, ça va être un peu compliqué.
la raison de la déraison que ma raison vous fait affecte tellement ma raison que c'est avec raison que je me plains de votre beauté. Voilà, on pourrait continuer comme ça, mais je ne vais pas vous raconter tout Don Quichotte parce qu'il y en a quand même deux tomes. Jérôme, ben, vas-y, prends la parole éventuellement, je te la laisse. Oui, bonjour à tous. Alors, en complément de ce que Jean-Marie vient de dire, merci déjà de vous être connectés aussi nombreux à ce webinaire. Je vous invite à vous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube qui hébergera prochainement la vidéo de ce webinaire. Et à aller sur notre site internet, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, pour vous abonner à notre newsletter. Voilà. Alors, je vais reprendre la parole également. Oui, j'avais oublié quand même, j'ai failli pas vous donner la réponse à l'énigme de ce début d'intervention. Donc, je vous rappelle, hein, l'énigme, c'était en clin d'œil à une collègue qui s'appelle Hélène. Et Hélène, cette belle fonction mathématique, hein, et donc, la question, c'était limite de ln de x quand x tend vers belle. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont compris, mais voilà, ont pu de deviner la réponse. Alors, l'imagination est présente en ce cas-là. Donc, il y a deux réponses. Suivant que vous êtes un jeune mathématicien et que vous connaissez les Grecs, là, vous allez dire ln de 3. Voilà, c'est le jeune mathématicien. Et le mathématicien qui a un peu de bouteille, et lui, il dira plutôt poire, parce que poire, belle Hélène. Voilà, donc c'était ça les réponses à l'énigme. Donc deux possibilités, suivant que vous êtes un jeune mathématicien fervent de mathématiques ou un plus ancien. Alors voilà, donc la réponse à l'énigme. Est-ce que Jérôme Gollner nous a rejoint? Encore une fois, donc le S3 Pays de l'Artois a été très très heureux d'organiser ce nouveau webinaire. Nous préparons activement le webinaire sur l'économie circulaire. Je vous rappelle les deux webinaires du S3PI Hainaut-Cambrésis-Douaisis du début octobre sur l'efficacité énergétique. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite à présent une bonne fin de journée. Au revoir.